Bref, j'étais à une soirée cycliste, donc forcément, on en ouf. Un moment, Juliette m'a parlé. Je suis parti. Après ça, mon pote Jarem m'a défié au shooter. Ah, je te défonce ce shooter, mec. J'ai accepté. Viens, défi shooter, défi shooter. J'aurais pas dû accepter. On a bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 shooters avec n'importe quoi dedans. Je me sentais pas très bien. Jarem non plus. Il est tombé. Moi aussi. Après ça, on s'est réveillé chez un vieux fou qui nous a dit qu'on était en 1984. Apparemment, on avait trop bu et trop vite. Ça nous avait transporté dans le temps et on avait besoin d'alcool et de vitesse pour revenir chez nous. Doc nous a proposé un vélo. Ça m'a rappelé la dernière fois qu'on en avait demandé un à la Smilist. Bonjour les gars. Ouais, vous cherchez de la compagnie? Non, on veut juste un vélo, nous. Ouais. Ah bah, ça tombe bien, on en a un. Ah, il est juste là. Attends, mais il a pas de sel ton vélo, là? Je sais. Non. Allez, viens. Allez, bien. Du coup, on a essayé d'autres moyens. Ça a pas marché. On a pris le vélo. On s'est lancé. On est tombé. On était toujours pas dans le bon temps. Oui. Ouf. Toujours pas le bon endroit, ça. Ouais. Il faut aller chercher de l'alcool. Ouais. Toi, tu vas par là. Moi, je vais par là. Ça roule. Et maintenant? Méchant! T'as défoncé! T'es mort, mec! Vas-y, c'est à moi! Putain, c'est aussi, c'est à moi là! Et là, cowboy, il est où l'alcool? Il n'y en a plus dans cette région depuis fort longtemps. Mais j'ai entendu parler d'une tribu d'indiens avec un rituel particulier. Un rituel? Et maintenant, on passe au sacrifice! Et ils sont où ces indiens? Ben là-bas? Hugues, visage pâle, toi, assis. Et vous, danse. Plus rien à perdre. On y va. Bel engin, pan-pan. C'est pas de la pluie. C'est du cubi. Pas la bonne époque. C'est chiant. Qu'est-ce qu'il y a eu? On va voir aussi à l'alcool. Ouais.
toi c'est de la Jacqueline. Vas-y, commence. Oh, c'est bon. Faut accélérer. La vitesse, la vitesse. Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes des machines. Quoi? Hein? Je dois vous éliminer. Wow, wow, wow! On n'est pas de ce monde, mais on n'est pas des machines, ok? Je ne comprends pas. Attends, je t'explique. On n'est pas de ce monde, mais on a pris de l'alcool. On n'est pas des machines, on a changé de temps, c'est juste ça. Vous êtes des machines. Mais qu'est-ce que tu dis, là? Je dois vous éliminer. Mais Dark Maul, on a mis sa dose, donc réfléchis pas avec nous, cherche pas les embrouilles, hein. Je ne comprends pas. Putain, il commence à me casser les couilles, hein. Vous êtes des machines. Mais ta gueule! Je dois vous éliminer. Vas-y, ferme ta gueule. Putain, merde, j'ai plus de balles. Recharge, sérieux? Stop, Neo. Ce ne sont pas des machines, Neo. Ce sont des hommes. Par leur chasserie, ils ont réussi à sortir de la matrice et à se retrouver dans le monde réel. Mais qu'est-ce que le réel? Comment peut-on le définir? Est-ce par le goût, la vue, le toucher? Tout cela ne sont que des signaux électriques interprétés par notre cerveau. Un philosophe a dit un jour, l'aveugle ne voit pas, il ressent. Et paradoxalement, il voit. Et avez-vous remarqué que lorsqu'une femme change d'homme, elle change de coiffure? De plus, c'est notre œil, notre regard qui nous dicte notre façon d'agir par rapport aux autres. Mais on peut être myope. Quand je vois ces deux jeunes gens, je me dis que ce n'est pas une coïncidence, mais la providence. C'est notre rôle que de leur laisser le choix du monde dans lequel ils doivent se retrouver. Vous avez deux options. La première, prenez la pilule Smile et vous retrouverez dans le monde rose des bisounours et des poneys arc-en-ciel à cueillir des fleurs et à batifoler dans l'herbe. Votre deuxième solution est de prendre les pilules violettes et vous retrouverez dans le monde que vous connaissez déjà, un monde de chlasserie incessante. Une précision toutefois, la pilule rose, pour qu'elle agisse, doit être insérée dans votre cul. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Prends l'autre. Ah! Ah, délire! C'est toi, Flo, là? On a la maison, mec. T'es sérieux? Oh, ça a traversé! C'est la maison! C'est la maison, Flo! Viens, relève-toi! Oh, mec, ça fait tellement plaisir de te voir! Ça fait tellement plaisir!
Vas-y, viens, on avance. Y'a du monde. Là-bas? Viens, on va voir sûrement la cycliste. Là-bas? Ouais. If you wanna be my